King of Kings, women, before you, Father, appeal, asking for peace in the royal struggle. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à la chaîne du continent Africable. Merci surtout de rester face à votre petit écran pour suivre cet entretien que nous allons avoir avec le docteur Amadou Lamine Gueye. Il est coordonnateur de programme à HKI, Hélène Keller International. Bonsoir docteur. Bonsoir Monsieur Diop. Alors Hélène Keller International, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De façon très brève, je vais essayer de vous présenter notre organisation qui est une ONG internationale. Dont le siège est à New York et qui est présente dans 13 pays africains. Et le siège régional au niveau de l'Afrique se trouve au niveau de Dakar. Alors Hélène Keller International n'a certainement pas 50 ans comme l'Afrique indépendante. Hélène Keller effectivement a été créée en 1915 et son but original c'était d'apporter un appui aux personnes ayant perdu la vue au cours de la Première Guerre mondiale. Elle a été créée en association de personnes, dont principalement notre marraine Hélène Keller, qui est une personne qui a perdu, handicapée, qui a perdu la vue, et lui, dès l'âge de 19 mois. Alors on dit que la vue, c'est la vie, c'est peut-être pour ça que vous avez associé ce couple. Effectivement. Et je pense que tout ne peut se faire sans que la personne ait une santé très solide. Et je pense que le déficit de vision participe réellement à la réduction des capacités de l'individu. Donc c'est pourquoi nous avons dédié tous nos efforts par rapport à cela. C'est de vraiment permettre aux individus d'avoir une santé correcte et pouvoir participer au développement de la nation. Alors j'imagine que si Hélène Keller International a vu le jour en 1915, dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, c'est pas à cette période qu'Hélène Keller a commencé ses activités en Afrique. Effectivement. Hélène Keller International a reprendu ses activités à partir de 1970 dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Les activités étaient surtout liées à la prévention de la cécité. Donc à partir des années 90, Hélène Keller a commencé à s'installer dans les pays africains et particulièrement en 1997. Donc à partir de cette date, il y a l'installation et l'instauration aussi de partenariats stratégiques avec des organisations comme l'UNICEF et l'Organisation de la Santé de la CEDEAO. Alors l'Organisation de la Santé de la CEDEAO, et j'imagine au-delà, vous avez des partenariats, des rapports avec l'OMS. Mais en tout cas, 1997-2010, cela fait 13 ans que vous êtes présent en Afrique subsaharienne. Et quel bilan faites-vous de vos 13 années de présence? Ces 13 ans d'efforts dévoués pour vraiment mettre l'individu dans des conditions pour lesquelles il va vraiment participer au développement de sa nation. Donc c'est par des programmes tels que la supplémentation en vitamine A, la fortification des aliments et de façon générale à des programmes qui améliorent la santé des individus et des populations vulnérables, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire. Donc vous êtes très engagé dans la lutte contre la mortalité, surtout chez les jeunes enfants. Effectivement. Les objectifs de HKI, c'est de vraiment travailler à la réduction de la morbidité, de la mortalité des populations vulnérables et défavorisées. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des programmes liés à la supplémentation en vitamine A. Et la plupart des pays mènent des campagnes biannuelles qui permettent de réduire de façon significative la mortalité des enfants, mais aussi des programmes de grandes envergures comme la fortification, qui au-delà même des cibles primaires que sont les femmes et les enfants, touchent les populations générales de façon. Alors, les aliments fortifiés que vous donnez aux enfants africains, c'est à base de produits locaux ou bien c'est des produits qu'il faut importer? En fait, c'est des produits fabriqués au niveau industriel. Donc, l'un des critères de choix de ces aliments, c'est que c'est un aliment qui doit être de grande consommation. Et particulièrement en Afrique, des enquêtes ont été menées pour montrer que la farine et l'huile ont une bonne pénétration au sein des populations. Donc, ce qui permet d'identifier ces aliments, pouvoir y ajouter des micronutriments, c'est-à-dire des sels minéraux et des vitamines qui permettent vraiment de réduire ces problèmes
de nutrition au niveau des populations. Docteur Fall, quels sont les modes d'intervention et les moyens d'intervention de HKI en Afrique? HKI intervient au niveau de 13 pays africains, comme je l'ai dit. Et nous travaillons en apportant une assistance technique et financière au gouvernement ou en association avec des partenaires tels que l'UNICEF, l'UEMOA, la commission de l'UEMOA, la CDAO, et pour vraiment mettre en place des programmes de grande envergure qui permettent vraiment de